Aslema, aujourd'hui nous allons parler de la crème hydratante teintée de la gamme Studio. Elle se présente comme ceci, c'est un tube de fluide hydratant teinté. Elle est légère, donc elle laisse votre peau respirer. Elle contient des vitamines A, C et E. Elle contient aussi des extraits de concombre, donc elle hydrate votre peau, elle atténue rides et ridules et vous donne un effet bonne mine immédiat. Elle contient un indice de protection de 20 qui va vous permettre de protéger votre peau du soleil. Donc pour les plus pressés d'entre nous, c'est une crème très suffisante pour la journée à utiliser au lieu de mettre du fond de teint, etc. Donc pour l'appliquer, c'est très simple. Il faut la remuer un peu et la mélanger. Ensuite, vous allez prélever une noisette de crème. Ou tu comme une crème hydratante à la ouïe, comme l'alcool. Donc, tu as au pinceau, à l'éponge ou voilà, tout simplement au doigt, comme ceci. Pour les plus pressés d'entre nous, c'est une utilisation simple qui vous donne un teint frais, lumineux et radieux. Vous êtes protégé du soleil, votre peau est hydratée et vous avez une très jolie mine. Pour celles qui ont le teint, vous pouvez l'utiliser comme une base pour le teint. Donc c'est une crème teintée qui va vous permettre d'unifier votre teint avant de mettre votre fond de teint habituel et votre poudre de teint. Pour ça, on peut utiliser un fond de teint et on va l'appliquer au pinceau qui m'a stencil. On prélève la matière et on l'applique. Terminé, on va utiliser notre poudre habituelle, donc dans ce cas je vais utiliser la pressed powder de la gamme Studio et on va poudrer notre teint. Comme vous le voyez dans cette utilisation, cette crème hydratante teintée remplace votre crème hydratante, votre écran et éventuellement si vous utilisez une base pour le teint, elle la remplace aussi. Donc elle, au final, elle remplace trois produits que vous mettez tahte le fond de teint. Voilà pour ces astuces, je vous dis à bientôt.